Séparée depuis peu de Jalid Lesper, Laetitia Hallyday semble revivre. Samedi 2 septembre 2023, elle s'est rendue à un concert de Beyoncé à Inglewood, en Californie, en compagnie de sa plus jeune fille Joy. Une soirée largement documentée sur Instagram. L'heure de la rentrée a sonné pour Laetitia Hallyday, une rentrée qui se fait à Los Angeles sans Jalid Lesper après son bel été passé à Saint-Barthélemy. Après 2 ans et demi d'amour, le couple s'est séparé mais la vie continue pour Laetitia Hallyday. Ne pas regarder en arrière, est-ce le doit, pour elle mais aussi pour ses deux filles Jade, 19 ans, et Joy, 15 ans. Samedi 2 septembre 2023, Laetitia Hallyday a passé une soirée entre filles avec sa Benjamin et au programme, un concert inoubliable. En ce début du mois de septembre, Beyoncé a réservé le SoFi Stadium pour 3 dates, énorme salle qui se trouve à Inglewood dans la banlieue de Los Angeles. Et pour ses 3 concerts organisés dans le cadre de sa tournée Renaissance World Tour, la femme de Jay-Z a formulé une demande très spéciale à ses fans, porter du gris. Demain, le 4 septembre, Beyoncé fêtera ses 42 ans et elle est donc du signe de la Vierge. Cette tournée a été une telle joie et alors que nous approchons du dernier mois, mon souhait d'anniversaire est de célébrer avec vous en portant vos plus fabuleuses tenues argentées au spectacle du 23 août au 22 septembre. Nous nous entourerons d'une boule disco humaine scintillante chaque soir. Chacun reflétant la joie de l'autre, la saison de la Vierge ensemble dans la maison du Chrome. On se voit là-bas, avait écrit la star planétaire sur Instagram. Un dress code que Meghan Markle n'a pas été la seule à respecter vendredi soir dernier lorsqu'elle s'est rendue à la première date californienne avec son mari le prince Harry, pas du tout dans l'ambiance. En effet, Laetitia Hallyday aussi a dégainé une pièce argentée, un petit top à fines bretelles. La veuve de Johnny Hallyday, très bien placée dans la fosse, a passé une excellente soirée. Pour preuve, les multiples images qu'elle a publiées dans sa story Instagram. Pourquoi Laetitia Hallyday a mis fin à son histoire d'amour avec Jalid Lesper? Certes, cette soirée n'a-t-elle sûrement pas suffi à lui faire oublier sa récente rupture avec Jalid Lesper, mais ce sont des moments de joie comme celui-ci qui lui permettent de prendre un nouveau départ. Vendredi dernier, une source proche de Laetitia Hallyday en disait un peu plus sur les raisons qui ont poussé la maman de Jade et Joy à se séparer avec le réalisateur. Jalil est quelqu'un de jaloux, de très possessif, qui a l'habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre. Pour Laetitia, qui est toujours dans l'empathie, c'était devenu invivable, a-t-il été commenté auprès de nos confrères de Voici. Laetitia Hallyday est donc à nouveau prête à écrire une nouvelle page de son histoire.